Du coup, voilà, boum. Nous sommes avec Summon Citybus Series NL263. Voilà, clairement, j'ai 70 ans, je suis grand-mère, et vu que la retraite est à 105 ans dans le pays dans lequel je vis, et bien du coup je pleure. Voilà. Voilà pour la petite présentation rapide de Jeannette. On est avec une livrée Marnet Morin. Donc un repaint qui a été fait par Benjamin, si je dis pas de conneries, sur le forum de Agora S114. Voilà, le repaint est dispo. Et donc du coup, bah voilà. Petite livrée Marnet Morin Transdev. À savoir que j'ai déjà vu cette livrée, j'ai jamais vu ce bus avec cette livrée, parce que de mémoire il n'y en a pas. Ces bus là ils sont utilisés à la RATP. C'est ce que je sais. Mais en tout cas, le réseau Marnet-Morin, enfin, j'avais vu que j'étais allé à Marne-la-Vallée, il y avait des bus Marnet-Morin. Du coup, voilà, enfin plutôt des cars Marnet-Morin plutôt. Du coup, on va faire la ligne 5 de Neustadt. On est au Flugplatz, à l'aéroport. Voilà, avec ce petit hélicoptère. Bon, une piste d'atterrissage qui est dans le mal, mais c'est pas bien grave, puisque voilà, il y a une piste d'hélicoptère, donc s'il y a du monde qui veut atterrir, il vient en hélico. Du coup, voilà, alors c'est un DLC payant, donc qui comprend 4 versions, 4 bus, enfin c'est le même bus si vous voulez, sauf qu'on a la version 12 mètres, 12 mètres interurbain, voilà, donc 12 mètres U, 15 mètres et 18 mètres, et surtout ce qui est excellent dans ce DLC, c'est la modularité qui est énorme. Écoutez, on peut choisir d'avoir des portes louvoyantes qui s'ouvrent vers l'intérieur, des portes coulissantes, on peut décider de mettre des haut-parleurs ou pas dans le bus, on peut décider de mettre des caméras ou pas, on peut décider de mettre le bloc clim, des feux anti-brouillard, etc. Et tout ça, c'est à modifier via les petites commandes magiques 7 var que j'ai découvertes. Salut Roro, à plus. Hello Chuck. Chouk. Chuck, je ne sais point. Et au fait, j'ai eu des news dont je t'avais parlé de la part des devs de Fernbus, je t'expliquerai tout ça. Ok, pas de soucis, Zenix. Pas de soucis, c'est cool. Du coup, regardons, mesdames et messieurs. Hop, alors déjà, vous pouvez voir qu'on est plutôt proche du volant. Voilà. Ouais, on va remettre les roues droites, nickel. On va démarrer le moteur. Hop, on va augmenter un peu le son du jeu. Voilà, nickel. Ah, il pollue déjà un peu moins quand même, hein. Voilà. On peut aussi modifier la girouette, on peut mettre une girouette LED, une girouette LCD ou encore une girouette pastille. Donc c'est vraiment cool. Et regardez la porte arrière. Écoutez, je l'ai modifié tout à l'heure en stream, pour ceux qui étaient là vers 14h et tout, on a fait enfin plus 15h, on a fait une petite modification. Regardez-moi ça, on a une porte coulissante à l'arrière et ça c'est le feu. Ça c'est clairement le feu. À l'avant aussi on peut mettre une porte coulissante, sauf que non, parce que c'est pas très, ça fait un peu trop tramway sinon, donc j'ai laissé une porte comme ceci. Mais c'est un truc de stylé, enfin c'est un truc de taré, pardon. Franchement, la modularité dans ce bus, regardez, j'ai même rajouté les haut-parleurs, les caméras. Avant il y en avait pas, on n'est pas obligé de les mettre, hein. Voilà, c'est ça qui est vraiment waouh quoi. Clairement il y a plein de trucs qu'on peut modifier, et donc grâce aux commandes cette var, non pas à la RATP mais à la Courneuve. Ce bus fait la ligne de la Courneuve à Villepinte. Bah pourtant j'ai vu un repaint RATP sur ce bus. Chuck prononciation. Ok, bah je vais bien Chuck, j'ai bien. Du coup voilà, pour ceux qui veulent le DLC, voilà, il est payant et dispo sur mon partenaire Games Planet. Voilà. Du coup, nous, on va prendre un petit service. On a dit qu'on faisait la ligne 5, ça doit être le service 25 de mémoire. Voilà, c'est ça. On part de Flugplatz, ok, à 13h26, pourquoi pas, on va mettre un petit peu de chauffage, hop. Donc merci en tout cas beaucoup à GamesPlanet qui m'a envoyé le DLC. Qu'est-ce que ça change, ça, si je mets ça comme ça? Ok, d'accord, on va laisser ça comme ça. Ok. Écoutez, bah du coup c'est cool, on va configurer notre petite girouette. Wound Park, c'est ça normalement, on va jusqu'à Wound Park. Alors, regardons là-dessus, voilà, ça c'est nickel aussi, on a toutes les ibis de Neust. Du coup on part de Flugplatz jusqu'à Wound Park, route 06.
quoi il me dit route 06. Ok, route 06, bah très bien, route 06. Ok, très bien. Ça aussi c'est super stylé, on a une espèce d'ordinateur où on peut voir le notre fiche horaire, plus ici le truc ATX. Ça je sais pas ce que c'est par contre. Je sais pas ce que c'est ça. Model configuration. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, je vais éviter de tout toucher. En tout cas là on a notre, notre fiche et du coup on commence à 13h26. Hop, du coup c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer le temps. Hop, en tout cas l'aéroport est plutôt petit, hein. Moi je m'attendais à un gros truc comme Spitzbergen ou autre. Mais non, on est plutôt sur un aéroport de type aérodrome, hein. Voilà, voilà. Hop. Bonjour mesdames. Bonjour, bienvenue. On va mettre un petit peu les tickets quand même, parce que sinon c'est pas très drôle. Voilà. Sinon c'est pas très drôle. Au niveau du chauffage. Voilà, ça se passe là-dessus. Hop. On va faire ça comme ceci. Hop. Et hop. Voilà. Alors. Alors, model configuration, c'est comme les 7 VAR mais en live. Ah ouais? Non, j'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois pas. Attendez. Faut que je trouve les... Attends. Man emblème. Oh putain, mais je comprends rien à l'allemand, alors... c'est quoi les Radkappen? Je sais pas du tout ce que c'est les Radkappen. C'est pas les portes, non, ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. Non, c'est les Touren, les portes, voilà, c'est les Touren. A, B, ok, donc si je fais A, ça fait quoi? Ça m'étonnerait que ça se fasse en live. Hello Rome, pas de soucis Rombo, pas de soucis. Mais en anglais tu comprendras mieux. Ah ouais, on peut le mettre en anglais ça? Ok, je savais pas. Ça c'est pareil, c'est un truc qu'il faudrait que je teste. Type C. Attendez, on teste un peu tout du coup, mais Tune, one. Ouais, vous voyez là, il y a des écritures rouges là, c'est bizarre. Nous n'allons pas toucher, mais ok, apparemment on peut configurer le truc en live. Par contre, oula, on va partir, on a un petit peu de retard là. Parce que moi je parle, je vous présente ce super bus. Mais on n'avance pas. Du coup, let's go. Pourquoi il me met la clim? Pourquoi j'ai la clim? C'est normal que j'ai le symbole clim qui s'affiche ou pas? Je pense que c'est normal parce que ça c'est le symbole passager. Je ne sais pas. Bonsoir Kevin. Bonsoir, bonsoir. Radkappen, c'est les jantes. Ah, ok. Ok, ok. Enfin, c'est Radkappen même. Ok. Alors, change la langue in-game du bus drapeau. Comment ça? Oh. Ah, mais vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent. Ok, j'avais pas fait gaffe. Bon, on verra ça. Pour l'instant, on va rattraper un petit peu notre retard. Déjà, on va à gauche. Voilà. Hop. Déjà, c'est à gauche. Nickel. Nickel, nickel. Un peu retard ce gosse. Ah bah d'accord. Bah bien, bien. Je viendrai peut-être ce week-end. Après ce week-end sur la Discord. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Sortie du menu écrit sur les drapeaux. Ouais, j'ai trouvé du coup. J'ai trouvé. Ok. Ok, merci messieurs. Alors, du coup, là c'est à droite. Il y a une moto devant nous ou c'est une blague? Ah non, c'est un piéton. J'ai cru qu'il y avait une moto, je me disais, mais depuis quand il y a des motos sur MC2? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a personne? Il n'y a personne. D'accord. Très bien. Je pense qu'on est sur des lignes où il n'y a pas grand monde. Hein. Clairement, on n'est pas sur des lignes à succès. Hein. On va voir ça. On va voir ça. Alors, il faut que je prenne une petite photo quand même. Pour la miniature, hein, parce que vous doutez bien que moi je. Je prends tout le temps une petite photo. On va la prendre comme ceci. En tout cas, les sons sont cool. C'est la première fois que je teste ce bus. Hein. Je l'avais pas testé en off.
Et les sons sont très cool, mais franchement, je pense que vraiment le gros point fort de ce DLC, d'ailleurs qui coûte 18 €, c'est vraiment la modularité en fait. C'est. Ouais, je pense que c'est vraiment le gros point fort du DLC, parce qu'on peut quasi tout modifier et les sons sont vachement cool aussi. Les sons sont cool. Hop. C'est quel bus? C'est un MAN NL263. Sur cette map, il y a des motos. Ah ouais? Ok, il y a des motos sur Vienne. Ok. Hop, génial. Alors, il y aura du monde qui va tenter sur mon prochain arrêt. Ok. Okay. C'est cher 18 €. Ouais, c'est cher 18 €. C'est vrai que c'est pas donné. Mais après, d'un autre côté, je trouve qu'au niveau de modularité, c'est quand même super stylé, quoi. C'est quand même super stylé. Après, c'est vrai que 18 € c'est un peu cher. Je pense que pour. De base, il est à 20 € en plus. Hein. C'est sur Games Planet qu'il est à 18 € de mémoire. Ouais, de mémoire, ça doit être ça. Mais c'est vrai que c'est un peu cher. Et je pense que pour 10 € c'est un très bon DLC, moi, je pense, hein, clairement. Par rapport à ce qu'on a sur Homecy 2 comme autre DLC, je pense qu'il vaut largement le coup pour 10 €. Ça y est, on commence à rentrer un petit peu plus dans la ville. Ok. Bah, je Neuchâtel, pardon, je pense que c'est une map que je ferai en vidéo parce que j'avais testé la première version et je l'aimais beaucoup. Et là, ça a l'air très cool. Là, regardez le paysage qu'on a devant nous. Enfin, en tout cas, au niveau de la station et tout, ça a l'air hyper détaillé. Ça a l'air bien stylé. Pas de soucis, Virtual Sim. Bonsoir. Bonsoir. Et merci une fois de plus pour les petits overlay de pause. Salut le Toto. Ça fait du bien de se détendre. Bah ouais, là c'est clairement détendre, vous voyez, vendredi soir. Ambiance posée, j'ai des emplacements camp sur les mentales. Apparemment non, mais en théorie oui. Enfin, en théorie non, en pratique oui. Je verrai ça. Par contre, il accélère bien, j'ai l'impression, le bus. Hein. Il accélère bien. Hop. Bonjour. Nom de dressure, pareil, sur Steam, 18 €. Ok, donc ouais, 18 €. Ah oui, par contre, c'est vrai qu'il y avait du monde qui voulait descendre, excusez-moi. Wouah, les portes coulissantes, c'est beau. C'est beau. Hop. Retressure, tu as déjà testé le DLC Chicago Downtown. Ok, non, j'ai pas testé, je l'ai pas acheté. Mais pourquoi pas un jour, ouais. Pourquoi pas. Ali. Hello Alexis. Hello. Moi du coup pour l'instant c'est tranquille. On est dans une petite ville là. Très bien. C'est sympa. Hop. Oula. Hop. Regardez, je vous ai pas montré aussi, on a un petit une petite pastille validation obligatoire. Voilà. Il est très sympa ce petit repaint Marnemora. En plus, ce qui est bien, je trouve, c'est que ça va un petit peu avec. Vu que là, on est quand même sur une ligne qui s'oriente pareil périurbaine. Le vert va très bien avec la végétation. C'est un vert un peu pâle et tout, et je trouve ça plutôt joli. Voilà. C'est le DSMN exact, le Toto. Exactement ça. C'est ça. Bof, Neuchâtel, c'est pas ma préférée perso. Je trouve qu'elle manque de variété dans les décors. Bah moi, là, d'après ce que je vois, je la trouve hyper jolie. Hein. Là, les petits pavillons et tout, le petit rond-point. Par contre, il va falloir qu'il passe le camion. Ouais. Merci, Toto. Hop. Nickel. Tu peux aussi changer la position des rétros. Ouais, bah en tout cas, Jawad, moi j'ai vu, j'avais testé de mettre les portes coulissantes à l'avant et le rétro se déplaçait, c'était trop bizarre, je trouvais ça un peu étrange et puis ça faisait trop tramway, du coup j'avais enlevé. Mais ok. Maintenant, tu vas faire quoi sur ETS2? Bah là, on est parti pour faire du solo sur ETS2. Donc voilà, d'ailleurs, il y a un épisode qui sort ce soir. Voilà. Il va y avoir une mise à jour, tu dis bientôt pour avoir 3 ou 4 portes. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il va y avoir une mise à jour du DLC bientôt pour avoir 3 ou 4 portes sur le véhicule. Ok, je savais pas. Merci Alexis. Merci. Alors, ta gauche, non? Parfait. Hop, parfait.
Nickel, nickel. Du coup, enfin moi en tout cas moi je suis chaud vraiment pour faire Neustadt. Hein. Bah, d'abord faut faire l'Emmental. Après on verra, on ira faire un tour sur les piscines. Enfin j'ai plein de maps à faire. Hein. J'ai énormément de maps à faire. Après voilà, je sais pas, peut-être finir faire Neustadt avant Wolfenstein. Je verrai. Je verrai, je verrai. Mais en tout cas moi je le trouve hyper sympa cette map. Plus plus Prodeod. Chouchous. Qu'est-ce qu'a fait Donald Trump quand Clinton s'est présenté? Oula, attention, ça doit être une blague. Connaissant Ali, je sais pas. Il a ri. Ah si, il a ri. Bah oui, il a ri. Hé hé, j'ai trouvé la blague tout seul. Cool homme si TS2 en un live. Ouais, bah après, je sais pas, les gars. Hein, c'est pas prévu que je fasse du TS2, mais je sais pas. Si je verrai après si vous voulez qu'on reste sur MC2 ou si vous voulez qu'on se change, qu'on aille sur un autre jeu. Voilà, voilà. Tu pourras conduire le Citelis un jour. Ouais, pourquoi pas. Après, le modèle est pas hyper sympa non plus. Mais pourquoi pas, ouais. Si un jour je craque, parce que. En plus, il y a quelqu'un qui a fait une livrée TCL dessus. Donc, si un jour je suis un peu. Je suis de très bonne humeur, voilà. On testera le Citelis un petit peu de piètre qualité, dirons-nous. Mais bon. On pourrait faire ça. Tu peux pas faire. Oula, mais waouh! Mais il a une accélération. Le bus, c'est un truc de taré. J'ai pas l'habitude. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Nous, on va où? On va direction Neustadt. Donc, du coup, tu peux pas faire Baumgarten. J'ai jamais testé. Je sais pas. À voir. À voir, à voir. Après, comme je te dis, tu vois, j'ai énormément de maps à faire. Donc, en fait, il y a tellement de maps sur MC2. C'est ça qui est bien, quoi. Donc, je lui grille le stop. Mais vu l'accélération du bus, voilà. Le gars, il a même pas besoin de ralentir, limite. Je l'ai fait, celle avec le crocodile et les autres. Si tu veux, Ali. Si tu veux. Non, non, pas le Citelis, surtout pas le Citelis. Prends-moi TCL pour le Citelis. Ok, oui, donc c'est bien toi, M. Citaro, qui a fait le repaint, je me disais. Ok, ok. Ok, ok. Tu veux faire fin de bus Erkan, j'en sais pas. Voilà, je verrai en fonction de. Oh. Ok, le clignotant, c'est pour les chiens. Donc non, je sais pas, je verrai, je verrai avec vous tout simplement. Voilà, voilà. Hop. Mais je pense qu'en fait, parce que les mental c'est quand même pas mal de, ouais, c'est quand même pas mal de l'interurbain. Donc en fait, je me demande pas si on ferait pas Alheim and Lozenbach. De mémoire, c'est ça le nom juste après les mental, puisque sinon il y aura beaucoup trop d'interurbain et ça un peu me saouler. Donc je sais pas, à voir. A voir, à voir. Baumgarten, ça peut être une bonne idée. Ok. Bon, après, je connais pas la map, donc. Heureusement, l'Iveco Urbanway arrive. Ouais, d'après ce que j'ai vu, il y a quelqu'un qui est en train de le modéliser. Bon, après, ça, c'est pas prêt de sortir. Hein. C'est pas prêt de sortir. Hop. On a vraiment pas grand monde. Hein. On a trois. Oula. Là, il y a la dame qui veut monter d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Bonjour, tu as entendu parler du Work in Progress? Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Et bien, je leur souhaite un gros, gros courage à eux. Voilà, voilà. Tu peux configurer ton bus avec l'ordinateur en rouge de TC. Ouais, ok. Ok, ok. Bah, on peut tester ça au prochain arrêt. Puisqu'on aura, on a un petit peu d'avance, on peut tester ça. Mais bon. Pourquoi pas, mais par contre tu vas avoir 12 accidents par vidéo. Bah d'accord, merci Nerlan. Nerlan qui doute de mes capacités à conduire. Non mais. Du coup au niveau de la température, j'ai pas checké. On est à 22 degrés, nickel. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, regardons. Testons, testons, testons. Aircon. Donc ça c'est, voilà, on the roof, je mets on. Ah ouais, en effet. Ça le fait en direct. Ah c'est non assigné, non? C'est un truc de taré. Rearwell, upcap, upcap. Je pense que c'est les bavettes. Ah non, même pas, c'est les enjoliveurs. Holder style. C'est un truc de fou, hein. Ok. Black leg. Ok, donc là ça doit être un petit truc. Voilà. C'est exactement cette. Cette chose. Ok. Regardez, c'est ça qui vient d'être ajouté. Ok, bah on peut la laisser. Intérieur, type A, type B.
Ça fait quoi le type A? Je suis en train de tout changer, vous savez quoi? Mais ça n'a rien changé. En fait, je pense que c'est à l'arrière surtout que ça change. Ouais. Je sais pas ce que c'est à l'intérieur. Ouais, je sais pas. Les mirrors, ouais. Long outside mirror, short outside mirror. Ok, il est comme ça. Et là, il est rapproché. Ok. C'est vraiment stylé, hein. Moi, je préfère le long, hein. Clairement, je préfère le long. Long outside. Man emblem. Oh, c'est stylé, hein. Front doors. Engine. Ah oui, du coup, on peut changer le... Le truc, c'est vraiment stylé, hein. Door controls. Off fail, ok. Headlights. Regardez, on peut mettre les... Les feux brouillard. Anti-brouillard, tout du moins. Only a reflector. Du coup, c'est bien, on régule. Ah non, ok. En fait, non, la personne s'en fout. Et j'ai pas l'impression que ça m'ait rajouté les feux anti-brouillard. Hein. J'ai pas l'impression, écoutez. Ah si, c'est ça. Non. Attendez. Ah, c'est ça, en effet. Ok. Ok, ok. Bref, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est extrêmement dommage parce qu'Alheim, c'est vraiment une super map. Attendez. Attendez, attendez. On va regarder ça. Du coup, nous, c'est bon, on peut repartir. Alors, du coup. Baumgarten, c'est très urbain et un peu d'interurbain. Il y a deux lignes qui vont à Ikea. Ok. Ok, ok. Un jour, il n'y aura plus de map. Que tu n'as pas testé, tu seras obligé d'arrêter Homestead. Non, non. Alors là, clairement, je pense pas, non. C'est une map absolument magnifique. Ok. Ok, ok. On va presque refaire toute la 3D. Sauf un peu d'extérieur. Tu parles de quoi, Homestead, de l'Urban Way? Je doute pas de ta capacité à conduire. Il y a beaucoup de collisions critiques. Tu touches, coupure du système électrique et pas mal de murs invisibles. Ah ouais, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant, ça. Par contre, c'est un truc qui m'avait fait bien rager sur Vincentburg. Ok, ok. C'est extrêmement dommage parce qu'Alheim c'est vraiment une super map. Ah mais tu parles d'Alheim ou... Ouais je suppose que tu parles d'Alheim. Bah du coup on peut faire Baumgarten hein. Enfin, j'ai freiné un peu comme un porc. On peut faire Baumgarten du coup Hello le lion fou. Alors non c'est pas réel pour le mot TCL, c'est des pastilles, j'ai vu ta vidéo, blablabla. Hello Actimel, hello hello. Baumgarten c'est très urbain. Ouais ouais ok, Java d'art posté, pourrais-tu tester des Novabus? Novabus je ne connais pas. Ce bus est trop bien fait même s'il a l'air un peu vieux, c'est ça, il est vachement bien fait même s'il est vieux. Dans le 8000 mode TCL, tout ce qui va être fait, direction. Ok. Ok d'accord. Bon vendredi prochain, le live est sur quoi? Vendredi prochain, il n'y a pas de live les gars. Il n'y a pas de live parce que je serai pas dispo. Voilà voilà. Je parlais du mode TCL pour le site Elis. Ok, Homestead, bah écoutez, bon courage. Bon courage à vous. Ouais, vive Lyon Actimel. Je suis vraiment cool, bah merci Alexis. Merci. Bon, en tout cas, franchement, il a de la patate, hein. Franchement, il a une de ses patates. Le bus, c'est apeurant. Moi, en fait, limite, j'accélérais trop et franchement, il a une accélération de taré, hein. Clairement. Alors, les mentales, il y a aussi, pour mon cas, les murs invisibles. Ok. C'est vrai que c'est relou les murs invisibles. Hein. C'est vrai que c'est extrêmement relou. Surtout quand on les connaît pas. Parce que quand je vais vous faire une petite vidéo style allez on va bien conduire et tout, quand il y a un mur invisible, c'est vrai que c'est... Pardon, c'est vrai que c'est méga relou. Alors, petit ticket pour monsieur. Hop, nickel. Merci Alexis, merci. Oh, merci Kevin pour ton follow. Merci, merci. Novabus c'est québécois. Enfin c'est canadien, ok. Ok d'accord, ouais les man ça accélère beaucoup trop. Bon en tout cas celui-là il a franchement... Oups, il a franchement une patate d'enfer hein. Clairement j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Hop. Nickel. Parfait.
Bon, du coup, c'est cool. Là, on est rentré un petit peu dans la zone urbaine. Petite zone de travaux. Alors, moi, j'ai pas d'indication, donc je suppose que c'est tout droit. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Il y en a un petit peu plus loin. Tu as mis le moteur en combien sur ton bus? Je sais pas, j'ai pas touché au moteur. Je me souviens, il y en avait au Luxembourg et le chauffeur en profite pour conduire une femme absolument terrible. D'accord. D'accord, d'accord. Je charge Bob Megaton, une pointer, il y a énormément d'objets. Ah ouais, ok. Moi j'ai pas de mur invisible, j'ai désactivé les collisions. Ah ouais, mais déjà ouais, t'es un faible aussi. Voilà. Un moment, hein, voilà. Un moment, faut assumer quoi. Hop. C'est vrai que c'est bon les mentales. Van pourri, ouais, van pourri, je confirme. Après, là, tu reviens sur le Discord. Je sais pas, je ne pense pas, non. Je pense pas, je ne pense pas. Freifurter, allez, ok. Ok, ok, d'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait que je teste Freifurter 2016 aussi, mais c'est pas prévu pour le moment. Bah, étant donné que, comme je vous dis, on a pas mal d'intérieur urbain. En ce moment, en tout cas, on fait pas mal d'intérieur urbain, donc. Voilà, voilà. Oh! Merci Anto Martino pour ton follow. Merci à toi. Très bien, là on a une petite voie bus qui nous en... ouais, qui nous évite de faire le tour du rond-point. On aime. Par contre, on aime moins ce stop. On aime bien moins. Oh, merci le Toto pour ton follow. Hello T1 N3 LY. Alors je sais pas qui tu es et je ne sais pas pourquoi tu es modo. D'ailleurs, c'est étrange ça. Qui es-tu? Dis-moi tout. Dis-moi tout, dis-moi tout. Mais des maps urbaines, il y en a des paquets. Ça me fait penser que je vais tester Prague et Belgrade dans le week-end. C'est vrai que Prague City Bus, je l'ai téléchargé, je l'ai pas testé. Parce qu'on en a besoin pour installer Grenheim. Mais c'est vrai que j'en ai pas testé. Oula, oula. Parce que moi, je regarde le chat. C'est vrai que c'est pas évident de conduire en même temps que je regarde le chat. Car il y a un moteur en 220, 260, 310 et 360. Ah ouais. C'est ici. Ah mais oui, c'est ici du Eurotruck. Ok. Ok. Bah j'ai oublié t'enlever ton grade de modo, mais c'est pas grave. Ah et du coup tu. Ouais, le Tinly écrit différemment. Ok, bah tu vas bien Titi. Comment vas-tu? Enfin du coup Tinly, ça te dit. Bah si, ça me dit quelque chose du coup maintenant, oui. Mais c'est vrai que je le voyais pas comme ça, tu sais, j'ai pas l'habitude des gens qui écrivent leur pseudo d'une manière autre qu'avec des lettres. Voilà, voilà. Ah ouais, donc il y a... Bah c'est sûr que si j'ai la version 360 chevaux par rapport à une version 220, je dois sentir la différence, quoi. Tu m'étonnes. En map urbaine, tu as toujours pas fait Stat Drake. Ouais, mais Stat Drake, ouais... Faudrait que je la teste aussi, mais... Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je la teste. Faudrait que je la teste, mais une fois de plus, Nerland, tu vois, j'ai énormément de maps à faire, donc... Voilà, voilà. Pourquoi enlever? Parce que maintenant j'ai des modérateurs de la chaîne et du coup, voilà. Du coup, je mets les modérateurs de la chaîne aussi sur Twitch et j'ai viré tous les anciens modos. Pas parce que je les aime pas, mais pour du coup que ce soit bien ciblé au niveau des modérateurs. Il faut faire Stat Drake, c'est une priorité. Bah, d'accord. Je te l'avais passé, Baumgarten, sur un commentaire de la vidéo sur Horizon avec le CETRA. Ouais, bah, de toute façon, déjà, ouais, je vais aller sur le forum officiel pour trouver Baumgarten. Hein. C'est pas le souci, c'est juste que j'ai trop de. Trop de choses à faire. Hop. Parfait. Mais attendez, là ça me fait penser à un truc. Un truc d'extrêmement bad que je ne fais pas depuis le début. Non mais quel con. Je passe pas les annonces. Mais je me disais, il manque quelque chose. Quel abruti. On est à Chris. Mais quel abruti, mesdames et messieurs. Alors là, vous avez le droit de me lancer des tomates, hein. Clairement. En plus, on a des super annonces vocales. Non mais... C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Tu conduiras le O305 un jour? Ouais, certainement. Puisque j'ai le DLC. Certainement. Bonjour Simutrans. C'est Titi du Eurotruck, Jaël. Voilà, voilà. Tu fais quoi après le live? Bah, je sais pas, je verrai. Je verrai, je verrai. Il se passe quoi là? Attendez, il y a eu un bruit de... Oui. C'est les pompiers? Oh, il y a eu un bruit étrange là. Bah... C'est quoi ce bruit? Vous entendez? Ça fait comme une sirène de...
d'alarme, enfin une, ouais, une alarme tout court quoi. Étrange. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Au lieu de faire des maps en entier, tu fais une ligne sur l'une, puis une sur l'autre. Ouais, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop cette politique. Je préfère tout faire en fait. Mais ouais, pourquoi pas. Pas les tomates, on a besoin pour en faire avancer l'eau. 345, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je dis qu'André sur met la neige, c'est un bêtisier. Ouais. Mais écoutez, hein, ce qu'on peut faire là, du coup, jusqu'à 19h, écoutez, parce que là, la ligne. On va passer l'arrêt. Hop, on va regarder ça. On arrive à. On arrive à. Gemeindeplatz, donc il reste 10 minutes. Si vous voulez, après on peut se faire une petite ligne. Je sais pas si Nerlan, tu connais un peu les lignes sur Neustadt, mais une petite ligne avec la neige, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. D'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo avec la neige. Voilà, très prochainement, c'est prévu. Voilà, voilà. Parce que bien sûr, quand c'est l'été, je fais des vidéos dans la neige. C'est tout à fait logique. Voilà. Je vais vous saouler comme ça. Que dit papy? Que dit un papier Dark Vador à un enfant? Un papier Dark Vador? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est Titi du retrait, quoi. Ok. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je donne ma langue au chat. Voilà. Il est où le feu? Ah d'accord. Ok, excusez-moi, excusez-moi. Recule un petit peu. J'espère qu'il y a personne derrière moi. Sinon ça va faire mal. Non, personne. Voilà. Nickel. Ah oui, la neige est sur. Bah ouais, ça peut être mort. Ça peut être mort. Tu veux quoi, une ligne en quart? Je sais pas, avec le. Avec le même bus ou quoi? Ou sinon on prend un accordéon. Avec un accordéon, mais il faut un truc court. Enfin bref, une ligne courte en tout cas. Type 15. 15-20. Ah, il dit je suis ton père. Attendez. Que dit un papier Dark Vador à un enfant? Je suis ton père. Alors, je sais pas s'il y a un sous-entendu de type Salas, mais c'est pas mal. C'est pas mal, je préfère quand même la blague sur sur Lacoste quand même. C'était la meilleure, j'avoue, c'était la plus drôle. La 6 et la 2 sont bien en ligne, ok. Ok, ok, bonjour. C'est moi ou elle a dit bonjour? Un truc un peu type je suis en extase totale. C'est marrant ça, c'est le pack de voix FR de Gwendal. Ah ouais, en effet, la mamie, elle est totalement shootée, la grand-mère. Hein. Oh là là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Putain, elle a dit un truc, j'ai pas compris. Regardez, on va faire une petite tofu. Hop. Voilà, nickel. On a 3 minutes 6 de retard, mais comment ça, on a 3 minutes 6? Mais vous savez quoi, on va accélérer un petit peu, nous. Au niveau des vidéos de Ristur, tu prévois toutes tes vidéos en avance genre quel bus, camion et trajet et tout? Ouais, enfin c'est prévu en avance, ouais, ouais. C'est... Ouais, c'est ça, je me... Bah je regarde un petit peu les ripens qu'il y a dispo pour une map et puis après je fais avec. Je fais avec et puis je me dis celle-là je la fais en accordéon, celle-là ci, celle-là ça. Bon, je vous avoue qu'on speed un peu... Ah bah de toute façon c'est limité à 60 ici. Ok, bon je suis à 70 mais... faut speeder un peu. J'ai une pub, tu as dit quelque chose. Ouais, bah je suis désolé pour les pubs les gars, mais c'est Twitch qui les met, hein. J'ai rien activé moi. J'ai dit quelque chose sur les lignes. Ouais, j'étais en train de dire qu'il fallait juste une ligne courte. Voilà. Après, pourquoi pas la faire en articulé dans la neige, ça pourrait être drôle. Avec du coup toujours le DLC Main City Bus Series. La mamie qui est montée, c'est ta jumelle. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Waouh. Le panneau qu'on a devant, tellement stylé. Tellement stylé, mesdames et messieurs. Ouais, et j'ai bien fait de réactiver ça. J'ai bien fait de réactiver ça parce que j'avais continué tout droit. Alors, on arrive à Rathaus. Ligne 4 plus 5, donc c'est moi. Ah, dommage. À un moment, je me suis dit, on va pas monter sur le trottoir, mais si. Je suis mauvais. Et puis, je suis mauvais jusqu'au bout en plus. Jusqu'à l'arrêt.
Alors, personne ne me fait bizarre de te voir en live, j'ai pas l'habitude. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Titi. Mais je vais essayer de faire des lives plus régulièrement. Voilà. Hop. Enfin, Titi, je dirais, Tinelli. Voilà. Tu as demandé l'accord à tes passagers pour les prendre en photo? Oui, t'inquiète pas, Raziel. De toute façon, à partir du moment où, où ils montent dans mon bus, ils acceptent indirectement d'être pris en photo. Voilà. Ouais, la vieille, elle fait peur, tu m'étonnes. Alors, la 6, si tu veux une courte. Ok, mais tu auras pas assez de monde pour un articulé. Tiens, d'ailleurs, prends le City Wide. Non, je vais rester sur le DLC Man City Bus. Je t'avouerai que j'ai envie d'en découvrir un peu plus sur ce DLC. Voilà, voilà. Ratos, ça veut dire mairie. Oh, merci Jawad pour cette information. Mister, hello. Hello, Mister. Imagine Obsidian MP et son optimisation. Non, je préfère pas imaginer. Non, Obsidian MP, non. Je ne préfère pas imaginer. Mais c'est bizarre qu'on ait pris autant de retard là. Ah, mais c'est peut-être quand j'ai configuré mon bus. On avait pris 1 minute 5 et puis après j'ai un peu parlé. Ouais, c'est peut-être ça. Je vous laisse, je suis en voiture. Pas de soucis, Didi, à plus. Pas de soucis, chouchou, Tinelli. A plus. A plus, à plus. Ah, bah on est à la gare de Neustadt, tiens. Donc, ça, c'est une partie qui était déjà là sur la 1.0. Mais par contre, ça a été refait. Hein. C'était pas comme ça avant. Hein. On avait bien ce petit quai en effet, mais c'était pas. Ouais. C'était pas tout à fait comme ça. Alors, il y a plein d'inscriptions. Moi, je suis au bout. La 3, la 4, la 5. Je suis au bout. Hop, ici. Mais faut que j'arrête de monter sur les trottoirs par contre. Ce serait bien. Ce serait bien. Bonjour, bonjour. Et pareil, les repaint NVB, ils ont changé avant, ils étaient tout bleus de mémoire. Stylé, stylé. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop, nickel. Alors, du coup, on repart par où? On repart par là. Ici en plus avant on avait une petite place de stationnement à droite ici. Je me souviens j'avais garé mes bus. La petite voie taxi ça c'est cool. Le collègue qui part très bien. Ah il a le feu vert, bah on va en profiter alors. Oups raté, on s'est trompé, on les touche. Ligne 5 direction Wound Park. On va à Wound Park nous de mémoire. Ouais c'est ça de mémoire. C'est ça c'est ça. Hop nickel. Passe l'arrêt. Il y aura des remorques doubles en été sur le test de. Ouais, j'ai vu ça. Il va d'abord y avoir le DLC Heavy Cargo Pack plus le DLC 8x4. Donc au niveau des châssis, il y aura deux DLC du coup. Donc c'est cool. Ikea ou le stade comme tu veux, je sais pas. Ikea, tiens, on va commencer à Ikea si tu veux. Ce pourrait être cool. Désolé de t'avoir dit bon anniversaire. Attends, pas de soucis, il n'y a pas de soucis, écoutez. Tu pourrais faire une vidéo de ton setup, ça a déjà été fait en début d'année, Anto. Je te laisse aller checker, c'est dans la playlist vidéo spéciale. Hop. Alors par contre, il y a un truc très étrange, c'est que dans le set var, j'ai configuré un truc pour qu'on ait le bip bip quand les portes se ferment. Et je constate qu'on ne l'a pas. Alors soit j'ai... Attendez. C'est quoi? On va checker ça maintenant. Main menu. Model configuration, ramp, door openers. Je sais pas ce que c'est ça le door opener, c'est peut-être ça. Loud speakers, non ça c'est les haut-parleurs. Rear, blablabla, mirror, ticket validator, interior desk design. Ouais je sais pas où c'est. Window tip, ça doit être door openers je pense. Only with automatic doors. Ok, donc en fait le bip bip il se met peut-être que pour les les portes automatiques. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qui manque sur ce bus je trouve, en tout cas pour la porte arrière. Le petit bip bip. Lernard, c'était mon anniversaire le 22 avril. Voilà voilà pour la petite info. La 3 alors, ok. Ok ok. Mon Twitch a bugué, j'ai raté quoi? Rien. Rien de d'hyper important. On est passé un petit peu à la gare de Neustadt.
c'est que quand tu mets les portes en automatique. Ok. Ok, d'accord, bah c'est un petit peu dommage qu'on ait pas le. Donc il y a le son. Ok, merci Guillaume pour la précision, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de. De bip-bip en manuel, enfin je trouve ça un peu bête perso. Yep. Nickel. Et j'ai pas 15 ans, hein, Zemayo, j'ai 16 ans. Un peu de respect, hein. Hop. Allez, descendez tous. Bonjour. C'est vrai que c'est calme, hein. Franchement, c'est calme. On va essayer de prendre une ligne le soir. Alors, je sais pas. Ouais, tiens, une petite ligne le soir. La ligne qu'on va faire juste après, on va le faire vers 19h. Avec un peu de chance, on aura les retours de bureau. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Re Arcane. Re. Oh là, on a un petit dépôt. Sympa. En tout cas, la ligne est vraiment longue, hein, celle-là. Ça doit être une ligne de 30-35 minutes. Hop. Juste au niveau de la rediffusion, vous préférez qu'il y ait une vidéo de 2 heures, là actuellement, puisque c'est ce qu'il va avoir, ou alors deux vidéos de 1 heure. Pour savoir. Moi, je pense que, enfin, en tout cas, au niveau de l'upload de mon côté, ce serait mieux deux vidéos de 1 heure, mais. Tu ferais Galadbeg 2016, non, parce que c'est. Enfin, non. Non, parce que c'est une version payante, même si je sais qu'on peut avoir des liens pour la version gratuite. Avant, j'avais Galadbeg. Ça m'intéresse pas et j'ai même pas envie de cautionner ce genre de choses, tu vois. Donc. Encore les bus payants, je peux comprendre parce qu'on en a pas des masses. Enfin, on en a pas des masses. Voilà. Surtout quand c'est des bus nouveaux, je peux comprendre. Par contre, les maps payantes, clairement, les gars peuvent aller se faire voir. On a largement assez de choses sympathiques en gratuit. Voilà. Oups, innocent. Ouais, c'est ça, Zemayo, c'est ça. Le bruit de fermeture du porte, du sort, c'est le mieux. Ouais, il est bien le bruit. Il est bien. Bah, la 3 à 19h. Ok. Ok, ok. Coupe en deux. Deux vidéos de 1h. Ok, bah, vous êtes tous d'accord. Tiens, deux vidéos de 1h. Parfait. Bah, du coup, il y aura peut-être deux vidéos. Ouais, bah, ok. Ok, ok. Je vais vous faire ça, les gars. Je vais vous faire ça, fait une vidéo. Bah, c'est ce que je compte faire, ouais. Une tête et une de sur Wallbrecht. Wallbrecht. Voilà. Une de chaque map. Ok, les gars. Ok, je couperai au montage. Pas de soucis. Alors, par contre, au niveau des arrêts, où est-ce qu'on en est? Parce que moi, je passe les arrêts, mais je sais pas trop où on en est. Oula, on rentre dans une zone 30. Je pense qu'il faut que je passe l'arrêt. Ouais, je pense que j'ai un arrêt de retard. Je pense. Il y a moyen. Il y a moyen, ouais, c'est ça. Ouais, j'en avais même deux de retard. Penses-tu faire une vidéo sur la map Eberlins? Pas prévu, non. Je connais pas. Mais tu sais, j'ai tellement de maps, une fois de plus, les gars, que je peux pas tout faire, malheureusement. Hop. Ça dépend si tu les mets le même jour les vidéos. Bah dans l'idée elles seront pas mises le même jour. Hein. Dans l'idée je ferai partie 1, partie 2. La 4G B-Box, elle te tente pas? Bah si, mais bon, je suis pas dans une zone éligible pardon, à la fibre. Donc c'est surtout ça le problème. C'est surtout ça. J'habite où? Dans l'ouest lyonnais. Dans l'ouest lyonnais. Si tu arrives à sortir la première en même temps que le tuto, c'est parfait. En même temps que le tuto de. Ouais, ça, c'est vrai, comme ça vous auriez un tutoriel pour ceux que ça intéresse et une vidéo. Ouais, je vais essayer de faire ça, les gars. Je vais essayer de vous uploader là. Ah bah, du coup, on est arrivé, j'ai même pas fait gaffe. J'essaie de faire ça, en effet. Wound Park, ok. Nickel. Nickel, nickel. Alors, numéro c'est la style 102 NVB, très bien. Hop. On va se faire un petit créneau ici. Voilà, petit créneau des familles. Et du coup, on va aller prendre notre bus. Et Berlin 6, c'est une map de tram. Ah! Mais j'ai pas le DLC tram de mémoire. De mémoire, j'ai pas le DLC tram. Il y a besoin d'un DLC pour cette map? Non, pas besoin, Lernan. Lernard, pardon. Mais Nerlan, du coup, a répondu plus vite. Mais vos pseudos portent à confusion, les gars. Hein. Rewing. Alors, en plus, je triche là. J'avais dit qu'on faisait un petit créneau sympa.
Je suis en train de tricher. Non, on le fait en vue intérieure. Et je me suis pris comme un bluff. Quack. Cette limite quand même. Hein. Ça aurait pu être pas mal. Je suis quand même un peu, ouais, un peu trop côté trottoir. Du coup, on va faire un petit truc comme ceci. Petite manip. Hop, voilà. Nickel. Hop, parfait. Écoutez, on laisse le bazar là. Hop, nickel. Du coup, on va aller faire spawn un autre petit bus des familles au niveau de Ikea. T'as pas besoin du DLC tram, dressure. Ouais, mais si c'est une map de tram et que j'ai pas de tram, y a un tram qui est gratuit. C'est ça que tu essayes de me dire. Dans ce cas-là, ce serait sympa. Ce serait cool. Dans une fois GT qui grince, ouais, un peu, c'est ça. GG, merci. Deux vidéos, c'est dommage pour nous car on t'aime bien, mais on va pas regarder deux fois, donc deux dimanches, on va pas de nouvelles vidéos. Oui, je sais. Je sais bien, Guillaume. Je sais bien, mais je vais essayer de vous reposter les vidéos. Ouais, je m'arrangerai, vous inquiétez pas, je vous en posterai peut-être une en même temps que Train Sim World un jeudi, je m'arrangerai. Du coup, on va prendre un articulé avec un repaint. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme repaint? Y a pas un petit repaint bleu là? La BVG c'est pas du bleu. Avelbus. Non. HA c'est Hambourg, non. Ah ça. Ça, ça peut se tenter ça. On va spawn à. Enfin bon, on va prendre Nust. Ikea. Et on va mettre la neige. Attention, attention. Il y a plein de trains gratuits. Ok. Ok, ok. Le renard. Ça se prononce. Ok. Ok, ok. Je savais même pas qu'il y avait des trams gratuits, les gars. Je savais même pas. Alors, du coup, écoutez, attention. Déjà, j'aimerais juste regarder au niveau des portes. On est sur du 3 portes. Ok. Alors, déjà, ce qu'on va faire. Les Radkappen, on a dit que c'était les enjoliveurs. Le clim, ça c'est la clim. Non, raté. Man emblem. Ah oui, mais hop, mets-le moi comme ça, ça m'aidera. Mirrors, intérieur. Ticket validor. Ok, pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Ça peut-être quand même. Est-ce qu'on a bien. Ah non, je pense que j'ai désactivé comme un abruti. Ouais, voilà, c'est ça, ils étaient mis. Hop. Destination sign. C'est quoi ça? C'est la girouette? Non, j'en sais rien. Loudspeakers, on les met. Window type splitted, combined. Je sais pas ce que ça, à quoi ça correspond, ça, le window type. Je sais pas du tout. Rampe. Omnivisual, je sais pas, on va mettre oui, c'est peut-être la rampe handicapée. Regardons. Ouais, c'est ça, c'est la rampe handicapée. Ici, tu me mets ceci. C'est pas le repaint de Munich. Peut-être bien, Jawad. C'est bien car toi, tu prends le temps de lire le commentaire. Bah, c'est le but, hein. C'est le but là de ce petit stream. Je record avec OBS. L'arrière du bus est stylé. Je le veux bien celui-là, IRL. Castorama, c'est Castoche, exact. Tunique en live, bah après cette petite ligne, du coup on finira un petit peu après 19h. Ça je le mets. Destination display. Ouais. Pff. Front door. Regardez, sinon on va tout mettre en, on va tout mettre en sliding. Vous allez voir, ça va faire un peu ambiance tram. Ça va faire un peu ambiance tram, regardez. La porte avant. Et c'est ça qui me perturbait. C'est que regardez, le rétro il bouge du coup. C'est hyper méga perturbant, je trouve. D'ailleurs, en parlant des rétros, on peut pas le mettre en loin. Mirrors. Longue. Voilà. Mon dieu, c'est tellement perturbant. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Du coup, attendez. J'aimerais juste tester le son de la porte arrière. Est-ce que ça fait bip bip? Ouais, ok. C'est bip bip, mais c'est dommage que ça soit pas dispo aussi sur. Ah bah si, là ça le fait, regardez. Bizarre. Ça fait tellement tram, les gars, mais c'est pas grave. Nickel.
Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un service sur... On va activer ça. Prendre un service sur la ligne 3. Par contre, la 3, je sais pas du tout. La 6. La 3. 3 IKEA à 14h38. On a dit qu'on faisait à 19h. Hop. La ligne 3. Non, c'est la 4 ou la 3? La 3. Voilà, 19h36 à IKEA. On va mettre 19h33, nickel. On va mettre nos feux. Ici, tu me mets ça. Tu me mets masse clim. Ok, parce que pour information, on va être sur du sur de la neige, comme on a dit. Voilà, hop. Moi j'active tout, ça c'est fait. Attention, arrivée de la neige, mesdames et messieurs. Boum. Boum, boum, boum. Ok, attention. Attention, attention, là je vous dis, ça va être du, ça va être du défil, hein, clairement. Hop, on passe le rapport. Change le moteur, oui. Ouais. On va regarder un petit peu ce qu'on peut mettre. Engine. On va mettre le lequel? On va mettre le moins puissant, hein, parce qu'on est des vrais, nous. On est des vrais. Bonsoir, Baba. Bonsoir. Hop, et la neige. Bah, ça y est, elle est là. Tu as fait la même chose sur ton histoire. Ok, mais la neige au max, c'est moins 20. Non, mais moins 20, c'est bon. Non, non. Après, les passagers vont pas survivre. Hein, je suis désolé. Déjà que. S'ils survivent face à ma conduite, c'est un exploit. Alors en plus, si je les tue par le froid, tu vois, c'est pas drôle quoi. Ce sera pas très drôle. On est vraiment sur un défi de type monumental là. Mon Dieu. Sous la neige de Neuchâtel, écoutez. Hop, en articulé en plus. Ah là, c'est la fin. Il est où le. L'endroit où je prends les passagers? Austier. Ah non. Là c'est le début, Einstein, ça doit être le début. Ligne 0300, route 01, 02. Ouais par contre je... Attends, est-ce qu'il y a moyen de changer la girouette? Modèle, ça doit être destination display, type LCD. Voilà, j'ai un peu changé. Est-ce que c'est beau en LCD? C'est quoi, on va laisser comme ça. Oh, voilà. Hop! Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans le bus de la froideur. Dans le bus de la froideur. Est-ce qu'on peut voir la température inside? Ça, c'est la luminosité. Non, je sais pas où est-ce qu'on la voit, la température inside. Alors, une bande de cadavres dans le bus, une bande de cadavres dans le bus, c'est ça. Mais le chauffage à fond, tout à fond, et la clim pour la buée. Non, non, on va pas mettre la clim. J'ai mis mes essuie-glaces, les gars. Bah dans le nord il fait moins 20 tous les hivers, personne n'est jamais mort. Ok. Ok, bah du coup on va y aller. On va y aller. Là on est, ouais. Petit feu anti-brouillard des familles. On est ready. On est ready, on est ready. Let's go. Let's go, let's go. Par contre faut pas accélérer trop vite, sinon on est en mode patinage artistique. D'ailleurs il n'y a pas une petite option à activer pour éviter que je patine les gars? Parce que moi je sais jamais ça au niveau des options. Mais il n'y a pas un petit truc à activer type ça là? Je sais pas, dites-moi. Dites-moi s'il y a une option à activer. Oh, merci Baba pour le host. Un viewer. Faut vraiment que je désactive les annonces pour ceux qui hostent avec un viewer parce que sinon ça spam. Et encore là ça va, il n'y a pas trop de monde sur le stream donc... Ça va, ça va. Alors là, je vous avoue, je me concentre là. Franchement, je me concentre. Oh, lui, il touchait mon bus. Je vous jure, je le tuais, lui là. Je le défonçais. Par contre, en fait, je sais peut-être pourquoi il a pas touché. Parce que voilà, les collisions ont été désactivées. Hop, voilà, nickel. Alors, il est déjà 1854, ça passe vite, tu m'étonnes, petit José Famille. Le choc thermique pour les passagers, c'est de 30 degrés à moins 20, c'est ça. Au Québec, moins 35. Beaucoup de rhume. Anti-patinage, yep. Mais s'il n'y a pas sur ce bus. Ok. C'est sur quel jeu le prochain live? Ce sera sur ETS 2MP pour un petit convoi. Tu mets l'ABS et l'ESP. Yes, mais je pense pas qu'en fait on en est. Parce que ça, c'est pour désactiver la SR. Là, on va activer ça d'ailleurs.
Donc je ne pense pas que ce soit à dispo sur ce bus. Au niveau de la température, il fait 14 degrés. Voilà, là on est sur du tout est à fond. Donc là je peux pas chauffer plus les gars. Je peux pas chauffer plus. Hop. Mais en effet ça patine un peu. Hein. Le camion qui est le malade, ouais, t'as vu ça? T'as vu ça? Hop. Ouais, par contre 220 HP ça n'avance pas messieurs dames. Hein. Ça n'avance pas. Imaginez drissure sur Innsbruck. Bah j'en ai déjà fait une en plus récemment de vidéo sur, sur Innsbruck. Je te laisse aller voir ça. Prochain live c'est dans 2 semaines les gars. Vendredi dans 2 semaines. Oui il est nul, il n'y a pas d'anti-patinage. Mais c'est parce que j'aime la difficulté moi. C'est parce que j'aime la difficulté. Hop. Alors par contre pour le freinage ça va être une autre histoire. Hein. Déjà je vois même pas mais il y a même pas de... Le seul truc relou avec la neige voilà c'est qu'on voit pas le marquage au sol. C'est ça le truc le plus relou je trouve. Hop. Nickel, bienvenue dans le tram. Bonsoir. Bienvenue dans le tram. Ah il veut un ticket, attendez on va juste augmenter un peu le son de la petite musique. Un ticket monsieur, bah, pas de problème écoutez. Hop, tenez. 2,80. Oh, un ticket, ouais, je suis là. Non, mais oh, il se calme lui là. C'est quoi ces manières de parler là? Tu pourrais faire un live sur Fernbus? Ouais, je verrai. De toute façon, je verrai. Ne vous inquiétez pas. Alors, je file le plan. Pas de soucis, baba. Plus, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. C'est maintenant qu'il fallait prendre le Hawk 345. Hop. Dressure et taux. Et aux aguets, ouais c'est ça. C'est ça. Ne lui filez jamais un bus, il lui il fait faire mourir les gens. Bah merci. Merci le fermeur 62 pour l'instant. Et tout va bien pour l'instant. Il faudrait le DLC Vue de la France pour le convoi. Non. Quand je fais des convois avec les abonnés, je fais en sorte de pas. Ah. On a un petit problème. On a un petit problème, mesdames et messieurs. Et je. Mon dieu, j'ai cru que j'allais pas m'arrêter à temps. Non mais c'est une blague. C'est une blague ce petit problème de style map. Ah. Rip. Pourtant j'ai fait un map tools et il manquait aucun objet. Mesdames et messieurs, je propose un gros rip. Malheureusement, notre ascension va s'arrêter là. Voilà. Là c'est la tristesse là. C'est la big tristesse. Par contre je suis en train de réfléchir à une solution pour essayer de garer le bus sans le mettre en porte-à-faux. Ouais, là c'est le gros rip. Oh mais c'est une blague lui aussi. C'est une blague. Non mais là je passerai jamais en fait, je vous explique. Ah, tu parles pas de conduire mais de température. Ah, d'accord, merci la farmer. Hop, ouais, rip. Là on est sur du bug international là quand même. Choqué déçu, mais c'est bête que MapTools me dise qu'il manque rien. Faudrait que je voie ça. Il vaut peut-être que j'ai chargé la main pour entier. Non, parce que ça a fait tout bugger. Non, normalement ça s'auto-charge, Jawan. Et sinon, ouais, on peut tester de mettre les portes en louvoyante. On peut tester, bah tiens, on va tester, mais par contre, on va sortir de cette zone de bug. D'accord, parce que 20 FPS c'est un peu chaud quoi. Alors là, va falloir faire demi-tour sans mettre la SMI dans le. Enfin, la SMI. L'arrière du bus dans le vide, ce qui serait plutôt sympathique. Regardez, on va faire un truc, on va jouer avec le feu, je vous dirais même. Là, regardez, on voit qu'on a encore un petit peu d'espace. Voilà, là par contre, faudrait arrêter. Ouais, parfait. Parfait. Faut mettre les splines à jour. Ouais, mais ouais. Non, mais du coup, c'est bien parce qu'on peut finir pile poil à 19h. C'est un bug de l'auto-charge, certainement aussi. C'est possible aussi. C'est possible. Ah, par contre, ça bug ici, c'est un truc de taré. Hein. C'est un bug de taré. Le conseil interrégional des comiques de l'humour. Et de l'humour. T'as oublié, ouais. Ok, bon bah tant pis. Hein. Tant pis. Par contre, c'est... Waouh, mais ça bug là depuis... Depuis qu'on a le... Waouh. Ok, alors vous savez ce qu'on va faire?
on va se laisser là pour ce petit stream. Mais juste avant, on va mettre les portes en louvoyante comme m'a demandé Monsieur Jawad. On va déjà faire ça. Voilà. On va appeler Evelyne Delia parce que c'est ingérable. Voilà, Evelyne Delia, merci à toi. En fait, je pense que j'ai fait bugger la map. Regardez, on est à 15 FPS. Ouais, j'ai dû faire bugger la map. J'ai dû faire bugger la map. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre les portes en louvoyante. Ah ouais, on est vraiment sur du... sur du bug assez énorme. Donc, ok. Ok, d'accord. Alors, les portes en louvoyante, ça doit être outside swaying door. Ça doit être ça. Nickel. Ah, j'ai vraiment tout fait bugger. Hein. Là, la map, elle est en PLS. On va tenter de se TP à un autre endroit, même, parce que c'est... c'est grave bugué. On va retourner à Ikea, vous savez quoi. Ah, voilà. Ikea, ça va mieux. Regardez un petit peu les portes louvoyantes. Ce que ça donne. Voilà, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, pour les portes louvoyantes. Alors, du coup, écoutez, voilà. Voilà, voilà. Vous remercierez Blin. Ah, mais là, c'est horrible, là, le rétro. Mais vous imaginez? Non, mais quand vous ouvrez les portes, il y a quelqu'un sur le quai, il se prend un coup de rétro dans la gueule, regardez. Je suis là, j'attends le bus, les portes s'ouvrent. Bim! Dans ta gueule. Horrible. Horrible, horrible. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo, en tout cas pour ceux qui regardent la rediff du live, vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont été présents. On n'a pas été hyper nombreux, mais ça s'est très bien déroulé dans une ambiance conviviale et c'est le principal. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents en ce stream, tout simplement. Donc merci beaucoup à tous. Et puis du coup, voilà, trop stylé. Ouais, Jawad, je vois que tu aimes bien les portes louvoyantes. Voilà, voilà. Du coup, écoutez, grâce à Ikea, il n'y a plus de là. Ouais, blague non approuvée, écoutez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, on aura fait un petit tour quand même avec de la neige. Voilà. Nous avons des perspirations du côté de Lyon. Une template nommée Pissenlit qui devrait vous laisser une chance de survie à zéro. Merci, nous fêtons la Saint-Martin. Merci Zébaillot pour ce petit coup de pub. Voilà, merci beaucoup à tous. Pourquoi les passagers ne descendent pas? Mais tu sais, c'est des thugs, hein. Tu sais, des fois ça bug. Donc là, ils sont en mode je ne veux pas descendre. Attends, si je leur fais ça. Non, ils veulent pas, ils ont bugué. Bref, écoutez, merci à tous pour ce live. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis tout simplement à la prochaine pour un nouveau stream. Merci à tous ceux qui ont été présents et à tous les follow. Et puis, du coup, chouchou tout le monde. A plus.